إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons inshallah ta'ala le livre intitulé Ahkam wa Manasik al-Hajj wa al-Umrah de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Donc le Cheikh rahimullah il nous a parlé pour ce qui était des invocations durant At-Tawaf. Il nous a rappelé, rahimahullah, qu'il n'y avait pas d'invocation bien précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Sauf, bien entendu, l'invocation, comme nous l'a rappelé le shir, qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il terminait un premier tour de Tawaf et lorsqu'il est arrivé entre les de coin, c'est-à-dire au moment où il dépassait Rukn al-Yémeni et qu'il arrivait donc au coin de la pierre noire, alors à ce moment-là il disait cette dua: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Et il nous a rappelé le shir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finissait beaucoup de ses duas avec cette invocation. Ensuite, يقول رحمه الله والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارة الصغرى والكبرى ويكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي. Ensuite il nous dit que le tawaf autour de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme kassala, c'est comme la prière. Et bien entendu ici kassala, c'est-à-dire c'est comme la prière, ça ne veut pas dire que c'est une prière. Et on va voir un peu plus loin que le shir va nous évoquer des différences qu'il y a entre le tawaf et la prière. Et on reviendra également un peu plus loin sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va donc dans ce sens, dans le sens de la parole du shir. On y reviendra au moment convenu. Ensuite il dit donc que c'est comme la prière, sauf donc ici une première différence qu'il va nous dire, sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a permis de parler, c'est-à-dire qu'on peut parler, ce qui est chose interdite durant la prière. Mais celui qui va parler, il ne parle qu'en bien. Il ne parle qu'en bien. C'est-à-dire qu'on a le droit de parler que dans ce qui est du bien. Comme par exemple, donner un conseil à une personne, ou amr bil ma'ruf, nahy 'anil munkar, ordonner un bien, réprimander un mal, etc. Cela, c'est permis durant un tawaf, contrairement à la prière. Donc on voit déjà une différence. Donc on comprend bien pourquoi le cheikh l'a dit, at-tawaf ou bilbayt kassala, comme la prière. Et ensuite, il nous a donné une première exception, illa, illa. وَلِهَذَا يُؤْمَرُ الطَّائِفُ أَنْ يَكُونَ مُتَطَاهِرًا الطَّهَارَتَيْنَ الصُّغْرَ وَالْكُبْرَ. Et c'est dans ce sens, vu donc que le tawaf c'est comme la prière, et que pour la prière, il nous est demandé d'être pur, de s'être purifié avant même de commencer la prière, de la purification mineure, qui concerne bien entendu le hadath al-asrar, qui est le fait donc d'enlever ce qu'on appelle le hadath al-asrar, donc l'impureté mineure. Donc on enlève l'impureté mineure par el-wudu,
par les ablutions. C'est pour ça qu'il dit le shir at-taharatayn as-sughra wal-kubra, et également al-kubra, donc qui est la purification majeure, et elle qui va enlever al-hadath al-akbar, l'impureté majeure, comme par exemple al-janaba, après qu'on ait eu un rapport intime avec notre épouse. Et donc ceci qui va impliquer al-hadath al-akbar, l'impureté majeure, cela ne peut être éliminé, dissipé, que par al-ghusl, al-ghusl, c'est-à-dire donc le lavage complet du corps. Donc de même pour celui qui va faire le tawaf, la personne, il faut qu'elle soit dans cet état de pureté totale. On va revenir dessus, car le shir, il va nous expliquer qu'il y a ici bien entendu une grande divergence entre les savants pour ce qui est de at-tahara durant le tawaf, c'est-à-dire d'être en condition de pureté durant le tawaf. Également, wa yakuna mastura al-awra. De même donc, comme pour la prière, la personne, il faut qu'elle cache les parties qu'elle doit cacher, qui lui sont obligatoires de cacher en présence d'étrangers. Pour ce qui est de l'homme, bien entendu, al-awra, c'est du nombril jusqu'au genou. Et pour ce qui est de la femme, alors son corps, il est awra. Elle doit donc cacher as-saq, ses chevilles, al-qadam, ses pieds, as-sadr, le haut de la poitrine, al-riqab, les talons, et également, pour beaucoup de savants, al-waj, c'est-à-dire le visage. Tout ça, il faut que la femme, elle le cache durant at-tawaf. Et malheureusement, on voit que beaucoup de femmes, elles sont dénudées à ces endroits-là, c'est-à-dire qu'on voit leurs pieds, qu'on voit leurs chevilles, qu'on voit leur cou, qu'on voit une partie de leurs cheveux, etc. Et tout ça, bien entendu, ça rentre dans ce qui est mal. Et si la personne, elle veut que son hajj soit mabrour, qu'il soit accepté, qu'il soit fait avec bonté, alors il faut qu'elle, lors de son tawaf, il faut qu'elle respecte ses règles. Et pour ce qui est de la femme, que ce soit durant le tawaf, et tout le reste des rites du pèlerinage. Mujtaniban najasa allati yajtanibuha al-musalli wat-ta'if tahiran. Également donc, il doit s'écarter. Donc celui qui fait le tawaf, il doit s'écarter de an-najasa, d'être touché donc par les impuretés, que ce soit les impuretés sur son corps ou alors sur ses habits, comme l'urine, etc. Il doit s'écarter donc de toutes ces impuretés, comme il le fait pour la prière. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء. Donc ici le shir va nous rappeler qu'il y a une grande divergence chez les savants de l'islam pour ce qui est de at-tahara, pour ce qui est de l'état de pureté lorsqu'on fait le tawaf. Est-ce qu'on doit être obligatoirement en état de pureté, et est-ce que notre tawaf il va être accepté uniquement si on est en état de pureté, comme pour ce qui est de la prière, ou non il y a ici une différence entre le tawaf et la prière pour ce qui est de at-tahara. Donc l'ishir nous dit par cette parole niza', c'est-à-dire donc qu'il y a une grande divergence. Et quelle va être la cause de cette divergence? Le shir, il va ici nous donner un point qui est essentiel pour comprendre cette divergence. Il va nous dire فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهى المحدث أن يطوف ولكنه طاف طاهرا. Donc ici, une des principales causes de cette divergence, c'est que lorsque les savants sont revenus à la sunna du prophète sallam, ils se sont aperçus que personne n'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a obligé d'être en état de pureté lorsqu'on faisait le tawaf, et qu'il n'a pas interdit celui qui était en état d'impureté qu'il fasse le tawaf. Mais lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le tawaf alors qu'il était en état de pureté. Ça, c'est de par son acte. Donc à partir de là, il va avoir une divergence. Et les savants,
vont donc regarder d'autres preuves, ils vont avoir également, ils vont émettre un effort d'interprétation pour ce qui est de leur argumentation prise du Coran ou de la Sunna, comme on va voir. À la kulli hal, pour ce qui est d'un hadith bien précis sur cette question-là, il n'y en a pas, comme le shir nous le rappelle. وَلَكِنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى الْحَائِضَ عَنِ الطَّوَافِ. Par contre, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit la femme qui a ses règles de faire le tawaf. D'après le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim muttafaqun alayh, min hadith Umm al-Mu'minin, Aisha radiallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a eu ses règles durant le hajj et qu'elle en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ce hadith: if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt hatta tatuhuri. C'est-à-dire, fais tout ce que fait le pèlerin, sauf, donc ici l'exception, ghayra, sauf que tu ne fais pas le tawaf autour de la maison jusqu'à que tu sois en état de pureté. Ça, c'est un hadith qui est très important pour ce qui est de ce chapitre-là. Hadith à connaître par cœur. If'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt hatta tatuhuri. Hadith muttafaqun alayh. Donc, les savants, ils vont prendre de ce hadith, mais qui n'est pas ici spécial pour tout le monde, car c'est une catégorie de personnes, et ici donc la femme qui est en état de, qui a ses menstrues, la femme qui a ses menstrues, ils vont donc, certains savants vont prendre cela comme preuve, et vont dire donc la tahara, elle est obligatoire. Et même ceux qui vont dire que c'est une condition pour le tawaf, que c'est même une condition pour le tawaf. C'est-à-dire que la personne, si elle fait le tawaf et qu'elle n'est pas en état de pureté, alors son tawaf, il n'est pas accepté. Naam. Donc, ils vont prendre comme preuve cela. Et ici, il n'y a pas d'opposition à ce qu'a dit le shir auparavant. Car ce hadith, il concerne, comme on a dit, une catégorie bien précise de personnes. Il n'est pas global. Donc, ceux qui vont le rendre global, ils vont dire, donc à partir de là, ce qu'on nous on va en tirer, c'est que ici il y a une condition qui est at-tahara. Et que cette condition, nous on va l'appliquer de manière globale à tout le monde. D'autres qui vont dire non, ceux qui ne voient pas que at-tahara c'est une condition, ou alors qu'elle est obligatoire pour faire le tawaf, ils vont dire non. Ce hadith, on le laisse pour cette catégorie de personnes, et on ne généralise pas pour ce qui est des autres personnes. Fi ishtirat tahara, sur la condition donc de la pureté. Donc c'est comme cela qu'il va avoir une divergence. Et s'il y aurait eu ici donc un hadith bien précis pour ce qui est de la condition de la pureté pour faire le tawaf, alors serait-il plus que clair, et serait-il ici qu'al-fasl serait donc tranché dans cette divergence. Seulement, il n'y a pas eu de hadith qui a précisé cela. Également, il nous dit le shir: وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Il va répéter également, ou il va nous rapporter également ce hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, ou Abu Dawud, ou Tirmidhi, ou Ibn Majah, min hadith Abi Sa'id al-Khudri رضي الله تعالى عنهما, et qui est un hadith qui est authentique, comme Sahhahu al-Albani fi al-Jami' as-Saghir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la clé de la prière, c'est la purification. Donc on doit être purifié pour pouvoir commencer la prière. Wa tahrimu wa takbir, wa tahrimu wa takbir, c'est-à-dire donc qu'on commence la prière, qu'on rentre dans la prière avec le takbir, et qu'à ce moment-là donc il nous est interdit de faire ce qu'il nous était permis de faire avant la prière. C'est pour ça que le terme tahrim ici il est employé. Wa tahrimu wa takbir. Wa tahliluha at-taslim. Et que donc on finit cette prière avec le taslim, avec la salutation. Et le terme employé tahlil, c'est-à-dire que les actes qui étaient interdits durant la prière, ils vont devenir autorisés
après qu'on ait terminé cette prière. D'où le terme tahlil. فَالصَّلَاةُ الَّتِي أَوْجَبَ لَهَا الطَّهَارَةُ مَا كَانَ يُفْتَتَحُ بِالتَّكْبِيرُ وَيُخْتَمُ بِالتَّسْلِيمُ كَالصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ وَكَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَأَمَّا الطَّوَافُ وَالسُّجُودُ التِّلَاوَةُ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا. Donc ici le Cheikh il veut nous faire comprendre que pour ce qui est de At-Tahara et que cette purification qui est obligatoire pour la prière, c'est cette prière même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité dans ce hadith, hadith de Abu Sa'id al-Khudri. C'est pour ça qu'il va nous dire, c'est cette prière même qui s'ouvre par le takbir et qui se termine par at-taslim, la salutation. Et cette prière même où il se trouve des inclinaisons, ar-ruku' ou as-sujud, également as-sujud, les prosternations. De même, pour ce qui est de la prière de al-janaza, la prière que l'on fait sur le mort. De même, pour ce qui est de les deux prosternations concernant la distraction. Tout cela, ça, il nous faut donc obligatoirement être en état de pureté. Sinon, tout cela n'est pas accepté. Wa amma tawaf wa sujud at-tilawa falaysa min hadha. C'est-à-dire le shirk, il va faire sortir ici, pour ce qui est de la purification, donc d'être l'obligation d'être et la condition d'être en état de pureté, il va faire sortir de cela at-tawaf wa sujud at-tilawa. At-tawaf wa sujud at-tilawa. Donc at-tawaf et également la prosternation que l'on fait lorsqu'on récite le Coran et qu'on arrive au passage où il faut se prosterner, c'est ce qu'on appelle donc la prosternation de la récitation, correspondant ou concernant la récitation. Pour ces deux, ici on va comprendre que ce n'est pas comme ce qui était cité auparavant et qu'il n'y a pas ici donc la condition de at-tahara, c'est-à-dire donc de la pureté. Ensuite, le shir va nous parler également de al-i'tikaf. De même pour ce qui est de al-i'tikaf, donc qui est la retraite spirituelle, il va nous dire que la condition qui est demandée pour al-i'tikaf, c'est al-masjid. Tout simplement, ce qu'on va comprendre, c'est que la yasihu al-i'tikaf fi ghayri masjidin. C'est-à-dire que al-i'tikaf n'est pas valable s'il est fait dans un autre endroit qu'une mosquée. Et également, il n'est pas demandé comme condition la pureté, qu'on soit en état de pureté. Pour ce qui est de al-mu'takif, celui qui est en retraite spirituelle. Ensuite, il dit wal-mu'takifatu al-ha'id tunha 'an al-labthi fi al-masjid ma'a al-hayd wa in kanat talbithu fi al-masjid wa hiya muhditha. Qala Ahmad ibn Hanbal fi manasik al-hajj li ibn Abdillah haddathana Sahl ibn Yusuf anba'ana Shu'batu 'an Hammad wa Mansur qala سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وغير متوضي فلم يريا به بأسا قال عبد الله سألت أبي عن ذلك فقال أحب إلي أن لا يطوف بالبيت وهو غير متوضي لأن الطواف بالبيت صلاة وقد اختلفت الرواية أن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو أحد القولان في مذهب أبي حنيفة لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط. طيب. Donc de même il nous dit pour la femme qui fait la retraite spirituelle mais qui est en état de qui a ses menstrues, alors on l'interdit de rester dans la mosquée à cause bien entendu de al-hayd, à cause bien entendu de c'est menstrueux. Car la femme qui est menstruée, il n'est pas permis qu'elle reste dans la mosquée. Par contre, elle peut rester dans la mosquée si elle est en état d'impureté. Bien entendu, ce qui nous touche pas, elle haïd. Ensuite, Shir, il va nous rapporter l'avis de Ahmed ibn Hanbal, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et ici, après avoir donc cité l'avis de l'imam Hammad ou l'imam Mansour, lorsqu'on leur a demandé pour ce qui est de la personne qui fait le tawaf et qui n'est pas donc en état
de pureté ici, qui n'a pas fait le wudu, c'est-à-dire on ne parle pas de celui qui est en état de janaba, mais celui qui n'a pas fait le wudu, donc ici le hadath al-ashar, et qu'ils n'ont pas vu de mal à cela, c'est-à-dire que la personne elle fait le tawaf alors qu'elle elle est en état d'impureté mineure. Et donc cela a été rapporté, donc son fils Abdullah, qui est le fils de l'imam Ahmed, il a rapporté cela à son père, et son père a répondu qu'il préférait Ahabbu ilayya, qu'il était préférable pour lui, qu'il aimait beaucoup mieux que la personne fasse le tawaf, ou alors que la personne ne fasse pas le tawaf si elle n'est pas en état de pureté, pureté complète donc, ici. Car le tawaf c'est comme la prière. Ensuite le shir va nous rapporter que les versions qui ont été rapportées de l'imam Ahmed sur cette question là elles sont différentes les unes des autres pour ce qui concerne le fait d'émettre l'avis que At-tahara shartun lit-tawaf. Être en état de pureté, c'est une condition pour faire le tawaf. Et également wujubia et son obligation. Donc bien entendu, ici, il va y avoir une différence lorsqu'on parle de ishtirat et lorsqu'on parle de wujub. Il y a une grande différence entre les deux. C'est quoi la grande différence? C'est-à-dire que lorsqu'on dit ishtirat, donc yakun shartan, ça veut dire tout simplement que la personne qui fait le tawaf et qui perd son wudu, qui perd sa pureté, alors à ce moment-là, il est obligé de faire le wudu, de se purifier, sinon son tawaf il n'est pas accepté, pour ceux qui voient que c'est un shart. Et pour ceux qui voient que c'est wujub, que c'est une obligation, alors à ce moment-là, il est obligatoire pour lui de faire le wudu. Mais s'il perd le wudu et il continue, alors son tawaf sera quand même accepté, même s'il était à l'encontre de cette obligation. Donc ça c'est une grande différence qu'il y a entre les deux, pour bien comprendre. C'est pour ça qu'ensuite il va nous rapporter ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah va nous rapporter l'avis de l'imam Abi Hanifa, rahimallahu ta'ala, ou plutôt son madhab, pour être plus précis, le madhab de l'imam Abi Hanifa. Il va nous dire qu'il y a également deux avis sur cette question-là, dans le madhab. Et les deux avis qui concernent uniquement al-wujub, pas al-shart, qui concerne uniquement al-wujub, c'est-à-dire est-ce que c'est obligatoire ou non. Par contre, pour ce qui est de la condition, que ce soit une condition, alors il n'y a pas de divergence dans le madhab de l'imam Abi Hanifa. C'est ce qu'on comprend ici de manière claire, d'après la parole de Cheikh al-Islam. Donc ça, c'est ce qui concerne al-tahara, l'it-tawaf. Le Cheikh va encore y revenir dessus, après. Il va toujours rester dans le domaine de ce qui concerne la pureté, et ce qui concerne donc le tawaf, toujours dans ce domaine-là. C'est pour cela qu'il va dire, rahimallah, وَمَنْ طَافَ فِي جَوْرَبٍ وَنَحْوِهِ لِأَلَّا يَطَأُ نَجَاسَةً مِنْ ذَرِقِ الْحَمَامِ أَوْ غَطَ يَدَيْهِ لِأَلَّا يَمُسَّ إِمْرَأَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَالتَّابِعِينَ ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة ما لم يخالف السنة المعلومة فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ. Le shir ensuite il nous dit que celui qui fait le tawaf en portant des chaussettes, ou alors celui qui fait le tawaf en mettant des gants. Quelle est la cause de cela? Celui qui fait tawaf en mettant des chaussettes, pour pas qu'il touche donc ce qu'on appelle la fiente des pigeons, donc les déchets des pigeons. Taïeb. De même, pour celui qui met des gants, pour pas qu'il touche une femme étrangère. Donc des gens ils font cela pour pas être touchés par les déchets des pigeons, ou alors pour ne pas toucher, pour ce qui est des gants, pour ne pas toucher une femme. Alors à ce moment-là, celui qui fait cela, il est à l'encontre de la sunna. Pourquoi cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, de même ceux qui sont venus après, les disciples des compagnons et tabi'in, tout le monde n'ont cessé de faire le tawaf. Il y a toujours eu des pigeons, il y a toujours eu la présence également de femmes, taïeb,
et ils n'ont jamais fait cela, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais mis des gants, ou alors ils ont mis des chaussettes spécialement pour se protéger de cela. Donc ça va à l'encontre, dans ce sens, ça va à l'encontre de la sunna. Et il nous dit le shir, ça ne veut pas dire que al-ihtiyat, c'est-à-dire donc se protéger d'une chose qui serait mal, n'est pas bien, bien au contraire. Il nous dit hasan, c'est quelque chose de bien. Tant que, et donc c'est une condition, tant que ça ne va pas à l'encontre d'une sunna qui est connue. Et ici la sunna qui est connue, c'est que le prophète sallam, il n'a jamais fait cela. Et s'il y avait eu donc une faïda et un bien à faire cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été le premier à le faire. Et les compagnons l'auraient suivi dans cela, également les tabi'in. Mais personne n'a fait cela. Donc on est bien ici dans un cas de mukhalafa, c'est-à-dire de contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est une erreur. C'est pour ça qu'il nous dit le shir que toute parole qui comprend une contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une erreur. Khata'un. Il va nous donner ici un autre exemple pour prouver également ici que des personnes vont à l'encontre dans le domaine de at-tahara, dans le domaine de la pureté. Il y a des personnes également qui vont à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة فإن هذا خطأ مخالف للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم وقال إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب أو فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور وكما يجوز أن يصلي في نعليه كذلك يجوز أن يطوف في نعليه كذلك يجوز أن يطوف في نعليه وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزاه بالاتفاق. Ensuite le shir il dit, il nous donne donc un second exemple pour ce qui est de al-mukhalafa, c'est lorsqu'une personne qui prie et lorsqu'elle va prier alors qu'elle a ses chaussures ou ses chaussons ou autres, elle les enlève. Mais pourquoi elle les enlève? Donc que ce soit durant les prières obligatoires ou alors que ce soit durant la prière mortuaire. Quelle est la raison ici? La raison, c'est qu'il a peur qu'il se trouve une najasa, une impureté, qui soit collé donc à ses chaussures ou à ses chaussons ou autres. Alors il les enlève. Il nous dit le shir, c'est une grande erreur et ça va à l'encontre de la sunna. Pourquoi cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud ou al-Hakim, un hadith Shaddad ibn Aws radiallahu ta'ala anhu, et qui est un hadith sahih et dont la version est la suivante: Khaliful Yahoud, faites le contraire des juifs. فَإِنَّهُمْ لَا يُسَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ. Eux, ils ne prient pas dans leurs chaussures ou avec leurs chaussures, et ne prient pas avec leurs chaussons. Et donc, dans ce sens, on doit faire le contraire des juifs. Et ça, c'est une base dans la religion que l'on retrouve beaucoup dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faisait le contraire de ce que faisaient les juifs et les chrétiens. Et ici, c'est encore un exemple. Et donc, ce qu'on va comprendre à ce moment-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait et il a également encouragé ses compagnons et donc sa communauté à prier dans les chaussures pour faire le contraire des juifs. Alors comment maintenant des gens, ils vont enlever leurs chaussures, mais dans quel but ici? Donc bien entendu, il y a une raison. Dans la raison qu'ils auraient peur qu'il y a une najasa. Alors que s'il y a une najasa, ou qu'ils ont peur qu'il y ait une najasa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué ce qu'il fallait faire. C'est pour ça qu'il va dire le shir wa qal idha ata al-masjida ahadukum falyanzur fi na'alayhi fa in kana fihima adha falyudlikhuma fi at-turab fa in at-turab lahuma tahur. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Abu Dawud min hadith Abi Sa'id al-Khudri, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui arrive à la mosquée alors qu'il regarde ses chaussures, et s'il trouve donc une impureté, alors qu'il enlève cette impureté, biddalk, c'est-à-dire en frottant, avec at-turab, avec la terre, car la terre elle est pure.
est un moyen de se purifier la terre. Donc ici, il les frotte dans la terre pour faire partir cette najasa. فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ. Car cette terre, c'est un moyen de purification. Donc on voit ici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc si la personne a la peur qu'il y a une najasa, alors qu'elle regarde tout simplement, si une najasa, elle l'enlève en frottant ses chaussures sur la terre ou ses chaussons, etc. Et ensuite elle prie dans ses chaussons ou dans ses chaussures. Mais le fait qu'elle enlève cela de peur qu'il y ait une najasa, هذا ومخالف للسنة. هذه المخالفة للسنة. C'est ce qui va en contradiction avec la sunna. De même pour ce qui était de la question du tawaf, concernant toujours ici la pureté. وكما يجوز أن يصلي في نعليه كذلك يجوز أن يطوف في نعليه. Donc de même, si la personne, il lui est permis de prier dans ses chaussures, de même, il lui est permis de faire le tawaf avec ses chaussures. Ensuite, يقول رحمه الله وإن لم يمكنه الطواف وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزاؤه بالاتفاق. C'est-à-dire, si la personne ne peut pas faire le tawaf en marchant, alors elle peut le faire rakiban, c'est-à-dire qu'elle peut être sur une monture, si cela bien entendu est possible. Elle peut être sur une monture. Et la preuve de cela, c'est le hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique, min hadith Jabir, tawafa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil bayt fi hajjatil wada' ala rahilatihi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le tawaf durant le pèlerinage d'adieu alors qu'il était sur sa monture. Aw mahmoulan, ou alors qu'il se fasse porter. Comme on peut voir les personnes âgées qui se font porter, que ce soit sur des chaises roulantes ou alors qui se font porter par d'autres moyens. Tout cela, bien entendu, ajza'ahu bil ittifaq, tout cela est permis à l'unanimité. كذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكن إزالتها كالمستحاضة كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة. Donc de même pour la personne qui ne peut pas faire ce qui est obligatoire durant le tawaf, par exemple une personne qui a une najasa et qui ne peut pas enlever cette najasa, qui ne peut pas se défaire de cette najasa, de cette impureté. À titre d'exemple ici, la femme qui a dam al-istihad, c'est-à-dire la femme donc qui a le sang qui coule d'elle, ce sang donc impur, et qui est le sang que l'on trouve après les menstrues, et qui a bien entendu des caractéristiques particulières. Donc ce sang-là, la femme bien entendu, elle ne peut pas s'en débarrasser. Taïb. Donc, elle fait quand même le tawaf. Elle fait quand même le tawaf. Comme elle faisait la prière. Comme il lui était permis de faire la prière. Tout en prenant, bien entendu, les précautions qu'il faut. Comme elle le faisait également pour la prière. Taïb. De même, pour la personne qui a ce qu'on appelle salas al-boul. Salas al-boul. Ce qui est ce qu'on appelle l'énurésie. Ce qu'on appelle énurésie, c'est-à-dire que la personne, elle a de l'urine qui sort involontairement et qu'elle ne peut contrôler. Alors cette personne-là, de même, elle va être atteinte donc de najasa, mais elle ne peut se défaire de cela. Alors elle aussi, elle fait le tawaf. Wala shay'a alayhi bittifaq al-a'imma. Et donc, elle n'a rien. Elle fait son tawaf et elle n'a rien à faire en compensation. À l'unanimité également. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل كما لو لا يمكنه الصلاة إلا عريانا. De même pour ce qui est de la personne qui ne peut faire le tawaf qu'en étant nue. Bien entendu, ça serait dans un cas vraiment particulier, qu'elle ne trouve pas d'habit, qu'elle n'est pas d'habit et qu'elle est obligée de faire son tawaf, alors elle fait son tawaf même en étant nue. Car ici c'est bien entendu, on rentre fil ad-darura, on rentre dans ce qui est de la grande nécessité. De même pour ce qui est de la personne qui prierait, qui n'aurait pas d'habit, qu'il est obligé de prier, qui n'aurait pas d'habit, qui serait dans une situation bien précise, alors cette personne également elle doit prier, même si elle est nue. Elle prie de même. De même pour ce qui est de At-Tawaf. Donc il prie Fatawafa Bil-Layl. Il prie donc, ou Arfouane, il fait le tawaf durant la nuit. Bien entendu, ça, de nos jours, Alhamdulillah, c'est quelque chose qui certainement n'arrivera pas. Et si ça arrivait à la Kulihal, il ne faudrait pas prendre la fatwa du shir, parce que désormais
le haram al-Mekki, la nuit c'est comme le jour. Donc la personne qui sortirait nuit, la nuit, il aurait certainement des problèmes. À la kulli hal, yaqul al-Sheikh rahimahullah, wa kadhalika al-mar'atu al-ha'id idha lam yumkinuha tawafu al-fard illa ha'idan bihaythu la yumkinuha ta'akhur bi-Mekka. ففي أحد قولي العلماء الذين يجيبون الطهارة على الطائف وإذا طافت الحائض أو الجنوب أو المحدث أو حامل النجاسة أو حامل النجاسة مطلقا أجزاء الطواف وعليه دم إما شاء وإما بدنة مع الحيض والجنابة والشاء مع الحدث الأصغر. طيب ici le shir en réalité, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il nous dit tout simplement, et ça c'est son avis, car il y a ici une divergence entre les savants, il dit que même la femme qui a ses menstrues et qu'elle ne peut faire son tawaf qui est obligatoire qu'en état ou que dans cet état, alors qu'elle a ses menstrues, qu'elle ne peut pas retarder à Mekka, c'est-à-dire que ceux avec qui elle est, ils vont repartir, obligatoirement repartir, ils ne peuvent pas la laisser retarder donc pour faire son tawaf jusqu'à qu'elle devienne bien entendu pure. Il nous dit le shir dans ce cas-là, pour ce qui est d'un des deux avis des savants de l'islam, et parmi bien entendu ceux qui rendent obligatoire at-tahara, la pureté, pour celui qui fait le tawaf, il nous dit alors que cela est permis. Donc des savants qui disent que c'est permis, que la femme, même en étant, alors qu'elle a ses menstrues, qu'elle fasse le tawaf, si elle n'a pas le choix, qu'elle n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'elle a peur ensuite de rester seule, qu'il advient pour elle une fitna, ou etc. Dans un cas où elle n'a pas vraiment pas le choix, il dit le shir, dans un cas de grande nécessité, il dit le shir, suivant un des deux avis des savants d'islam, il est permis cela. Il nous dit de même, pour ce qui est de al-junub, celui qui est en état de janaba, ou al-muhdith, celui qui est en état d'impureté, ou alors celui qui porte donc najasa, de manière mutlaq, il nous dit également, ajza'u al-tawaf, c'est-à-dire que le tawaf il va être pris en compte. Par contre, ici bien entendu cette question-là c'est une question d'ijtihad, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de preuves sur ce que le shir maintenant il va citer, mais c'est un ijtihad des jurisconsultes et de ce que lui voit valable le shir, rahimullah, et c'est à titre de compensation. Il va dire donc la personne qui va faire cela, alors alayhi dam, c'est-à-dire donc elle devra égorger un mouton, le mouton pour celui qui fait le tawaf avec al-hadath al-asrar, alors qu'il est en état d'impureté mineure, et badana, donc al-badana qui est soit une vache ou soit un chameau, un al-ibl ou al-baqara, qui représente donc al-badana. Al-badana, si la personne elle fait le tawaf alors qu'elle a ses règles, ou alors qu'elle est en état de janaba. Ça, c'est à titre de compensation. Et comme on l'a dit, c'est un ijtihad, jurisconsulte, qui ont cité cela, sans qu'il n'y ait de preuves directement. Donc ici c'est à titre de compensation et c'est à titre également de qiyas, c'est-à-dire d'analogie. À la kulli hal, il nous dit le shir ensuite, wa man'u al-ha'id min at-tawaf qad ju'allalu bi annahu yushbihu as-salata wa qad ju'allalu bi annaha mamnu'atun min al-masjid kama tumna'u minhu bil-i'tikaf wa kama qala 'azza wa jalla li Ibrahim 'alayhi salam وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Donc ce verset qui est fi surat al-hajj, le pèlerinage, qui est le verset 26. فَأَمَرَهُ بِالتَّطْهِيرِهِ لِهَذِي الْعِبَادَاتِ فَمُنِعَتْ الْحَائِضُ مِنْ دُخُولِهِ. Donc le shir nous dit, pour ceux par contre qui ont interdit al-ha'id de faire le tawaf, bien entendu, sur la base du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith Aïcha, ce qu'ils vont donner comme cause, donc la cause de cela, ils vont dire car le tawaf ressemble à la prière, ou alors également car il est interdit à la femme de rentrer dans la mosquée lorsqu'elle est al-haïd, et bien entendu pour qu'elle fasse le tawaf elle sera bien obligée d'entrer dans la mosquée. Donc ici c'est une cause de l'interdiction de faire le tawaf alors qu'elle a ses menstrues. Et également, comme on l'interdit donc, dans le même sens, comme on l'interdit de faire al-i'tikaf fil masjid, de faire donc la retraite spirituelle dans la mosquée. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son prophète, Ibrahim alayhi salam, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour
pour qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Donc il nous dit le shir, d'après bien entendu ce verset, qu'il a obligé bit-tathir de rendre pure cette partie qui est donc la maison sacrée pour ses adorations, donc les adorations qui sont citées ici, que ce soit at-tawaf ou que ce soit al-qa'imin ou al-ruk'a'i sujud, c'est-à-dire donc ceux qui prient également, donc ceux qui font le tawaf et ceux qui prient. Famuni'at al-ha'idu min dukhulihi. Et donc dans ce sens-là, car il faut que cette partie reste pure, il a interdit à la femme qui s'est menstruée de rentrer à l'intérieur de la mosquée. Et ici, bien entendu, la mosquée sacrée. وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلطَّوَافِ مَا يَجِبُ لِلصَّلَاةِ مِنْ تَحْرِيمٍ وَتَحْلِيلٍ وَقِرَاءَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَا يُبْطِلُ مَا يُبْطِلُهَا مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْكَلَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Il nous dit le shir donc que les savants, ils sont tous d'accord. Ce qui est obligatoire pour la prière ne l'est pas pour le tawaf. لا يجب للطواف ما يجب للصلاة. نعم. Comme من تحريم وتحليل وقراءة. Donc تحريم, le fait de faire le takbir. Donc une fois qu'on fait le takbir et qu'on rentre dans la prière, on n'a plus le droit de parler. Contrairement au tawaf. وتحليل. De même également que l'on sort de la prière avec le taslim et qu'à ce moment-là, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire durant la prière. Également pour le tawaf, ici ce n'est pas valable. C'est-à-dire que la personne, elle peut faire des gestes et beaucoup de choses qu'elle ne peut pas faire durant la prière. De même pour ce qui est de al-qira'a, de même pour ce qui est de la lecture, ce qui est demandé durant la prière comme lecture obligatoire, comme le fatiha, ce n'est pas demandé également pour tawaf et d'autres choses encore. Et de même, ce qui annule la prière n'annule pas le tawaf. À titre d'exemple, al-akl, al-shurb, al-kalam. C'est-à-dire que la personne, elle peut boire, elle peut également manger durant le tawaf, ce qui également peut parler, ce qui est strictement interdit durant la prière. Le shir ici, rahimullah, il nous montre les différences qu'il y a entre le tawaf et as-salah. Tayyib. D'une part, pour ce qui est de la question de at-tahara, pour ce qui est de la question de la pureté, et d'autre part également, pour ce qui est de la question de al-hayd, de la femme qui a ses menstrues et qui va faire le tawaf dans un cas de grande nécessité. Donc on voit que le shir, tout le temps, lorsqu'il apporte un avis, il donne des argumentations. Donc ici on est dans l'argumentation. Et donc il faut bien saisir que cette argumentation, elle concerne de ce quoi il est en train de parler le shir comme avis. Mais ça peut également concerner ce qu'il a avancé auparavant. Ce qu'il a avancé auparavant, concernant donc la pureté durant le tawaf, de façon plus générale. Et il nous dit وَلِهَذَا كَانَ مُقْتَدَ تَعْلِيلِ مَنْ مَنَعَ الْحَائِضَ لِحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ أَنَّهُ لَا يَرَى الطَّهَارَةَ شَرْطًا بَلْ مُقْتَدَ قَوْلِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا يَجُوزُ لَهَا دُخُولَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّطْهِيرِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. La femme de même, elle peut rentrer et elle peut passer dans le masjid en cas de haja. Elle peut rentrer donc dans la mosquée si elle a une chose qui est importante, c'est-à-dire vraiment un cas de nécessité, de rentrer et ensuite de ressortir. Donc la femme, elle peut faire cela, dans un cas de nécessité, de rentrer donc dans la mosquée, à ce moment-là. Donc de même pour ce qui va être du tawaf, car on est bien ici, fi عند الحاجة, comme il dit le shir, dans un cas de nécessité. Le shir également, il va nous dire qu'Allah Azza wa Jal, il a ordonné de purifier cette partie, la maison sacrée, pour ceux qui font le tawaf, pour ceux qui font la retraite spirituelle, pour ceux qui prient. Mais il va nous dire le shirk qu'il y a bel et bien des différences entre eux. Entre celui qui fait le tawaf, entre celui qui fait la retraite spirituelle et entre la prière. Car ici, al-aakif, ou celui qui fait la retraite spirituelle, on ne lui demande pas comme condition qu'il soit en état de pureté tant qu'il reste dans la mosquée. وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْخَرِ بِاتِّفَقِ الْمُسْلِمِينَ. Et il ne lui est donc pas obligatoire d'être purifié de l'impureté mineure. وَهَذَا بِاتِّفَقِ الْمُسْلِمِينَ. Bien entendu, de manière unanime. Bien entendu, pour ce qui est du junub, al-junub, celui qui est en état de janaba, il doit bien entendu sortir, faire sa grande ablution, c'est-à-dire son lavage, ou alors s'il ne trouve pas d'eau, tayammum, et ensuite il revient dans la mosquée.
Par contre, pour ce qui est de l'hadath al-asrar, il n'y a pas d'irtilaf chez les savants. Il peut donc rester. Donc on voit ici qu'il y a bel et bien une différence. C'est pour ça qu'il dit le shir. وَلَوْ طَرَّتْ الْعَاكِفَةُ الْحَيْدِ إِلَى لَبْثِهَا فِيهِ لِحَاجَةٍ جَازَ ذَلِكَ وَأَمَّا الرُّكْعَ السُّجُودِ فَهُمْ الْمُصَلُّونَ وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. Donc, ici le shir fait bien apparaître que pour ce qui est de Al-Aqifa, celle qui va faire la retraite spirituelle et qui va avoir ses monstres, si elle est obligée de rester à l'intérieur de la mosquée, qu'elle n'a pas le choix, alors il lui est permis cela, dans un cas de grande nécessité, comme on a dit. Par contre, pour ce qui est des Ruka al-Sujud, qui sont bien entendu Al-Musalloun, qui sont les prières, ceux qui s'inclinent et ceux qui se prosternent, alors At-Tahara Shartun Lissalah. C'est-à-dire qu'ici que la pureté, c'est une condition même d'acceptation de la prière, bittifaq al-muslimin, à l'unanimité. Donc on voit ici que le shir continue à nous montrer bel et bien les différences, pour ne pas dire que le tawaf, ce serait comme la prière, et que donc la femme qui est en état de haïd, elle ne fait pas la prière aslan. Contrairement au tawaf, dans un cas de nécessité, elle peut faire le tawaf. Donc on voit tout ça, c'est une argumentation que le shir ici développe. C'est pour ça qu'il dit c'est-à-dire que la femme qui est en état de menstrue, elle ne prie pas, elle n'a pas à prier. La prière, elle est annulée. Elle n'a pas rattrapé cette prière aussi. C'est pour ça qu'il nous dit le shir. On a maintenant at-ta'if, c'est-à-dire celui qui fait le tawaf. Est-ce qu'on lui, on le place dans le groupe de ceux qui font la retraite spirituelle, ou alors dans le groupe des prieurs, ou alors c'est un groupe qui serait en fait un troisième groupe, un groupe différent de ces deux groupes? Ça, c'est la question. C'est ici en réalité la place de l'effort d'interprétation. C'est-à-dire que les savants, les jurisconsultes, ils vont faire un effort d'interprétation. Ils vont analyser, ils vont regarder, et ils vont dire, en fait, ceux qui ont dit que c'était une condition, at-tahara, pour celui qui fait le tawaf, alors eux, ils l'ont mis dans le groupe des prières. C'est-à-dire, ils ont dit, c'est comme un prière. Et le prieur, il doit obligatoirement être, et c'est une condition pour lui, at-tahara. Pour ceux qui ont dit non, c'est pas une condition pour lui, at-tahara, alors ils les ont placés dans le groupe de ceux qui font la retraite spirituelle, car la retraite spirituelle n'est pas demandée la pureté, ce n'est pas une condition, la pureté, pour que la retraite spirituelle soit acceptée. Taïb. Ou alors ce serait carrément un qism thalith, c'est-à-dire un autre groupe qui serait ni dans cela ni dans cela, et que, à titre d'exemple, on dirait ici ça serait simplement al-wujub, simplement al-wujub, que ce serait donc une obligation at-tahara, ce qui ferait sortir du groupe de Al-Aqif ou du groupe de Al-Musalloun, de Al-Aqifoun Al-Musalloun. À la kulli hal, ici, tous ceux qui ont donné ici leur avis, ils ont fait un effort d'interprétation et ils en ont ensuite déduit leur avis. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, on continuera la semaine prochaine ou vendredi prochain, inshallah ta'ala, ce vendredi-là, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. استغفرك وأتوب إليك